Est-ce que vous êtes chaud pour qu'on reprenne cette aventure sur le Calamity Mode là? C'est chill, ça change vraiment des concepts que je fais d'habitude. Où c'est full voix off, là c'est plus tranquille avec la voix du live et tout. Même si je mets, allez, je vais mettre 5% de voix off. En hard mode déjà, non, pas en hard mode. Si, on est déjà en hard mode, on est passé en hard mode. Oh là là. Eh les gars, regardez, j'ai enlevé l'armure. Et en vrai, j'ai grave un flow, je trouve. J'ai grave un flow d'aventurier. Je trouve qu'il y a vraiment un bail d'aventurier, genre. Voilà, j'ai le shield qui s'est activé. On va vite fait se rappeler ce qu'on a fait hier. Mais on a vraiment fait beaucoup de trucs hier. On a Kyoten sur ta fracturée arc, fais clic droit. C'est quoi fracture red arc? C'est ça. Ah, je jure, je peux lancer des trucs. Ok, mais ça fait quoi? Ah, je peux parer les projectiles. Attends, mais ça part une attaque. Mec, c'est trop bien. Et en gros, lorsque Harry, ton arme fait deux fois plus de dégâts. What? Mais mec, mais déjà qu'elle fait. Attends, ça le marque ou pas? Ah non, ça le marque pas. Mais mec, c'est trop bien. Et ils disent que. Ah oui, mais ok, right click. Ok, j'ai capté. Bon, les gars, hier, du coup, on est passé en hard mode. Je vais vous montrer les boss qu'on a fait. En plus, il y a la petite image. Donc, on a fait le roi des gelées. On a fait le scourge. C'est comme le ver dévoreur de monde, mais en plus gros et dans le désert. On a fait le giant glam, qui est dans le nouveau biome souterrain en sous litre d'eau, genre. Il était là-bas. Ensuite, on a fait l'œil de Cthulhu, normal. On a fait le crabulon qui était dans le. Qu'on a invoqué dans le biome mushroom, qui était sympa aussi. On a fait le dévoreur de monde, le cerveau de. On a fait le cerveau de Cthulhu. Ah ouais, on a fait le cerveau de Cthulhu. Non, en fait, on a dû faire un autre truc. On a fait le hive mind qui était dans le biome corrompu, qui était sympa aussi. Le squelettron, on l'a fait, on allait dans le donjon. On a fait le slime god qui était grave lourd comme boss, j'ai bien aimé. Et le mur de chair, du coup, on est en hard mode. Faudrait qu'on fasse lune de sang, acid rain, c'est des événements. L'armée de l'ancien, c'est le truc à invoquer avec l'autre boss. Mage noir, il est dans l'armée de l'ancien. Rator, je sais pas où il est, mais il est rouge, donc ça doit être dans les enfers. Faut qu'on fasse la reine des abeilles et le Dearclops. J'aimerais bien faire le Dearclops et c'est sur le King Slime. Vas-y, on va essayer. En plus, j'ai une invocation du King Slime. Ok, on va tester. Et là, je fais. Ah oui. Et ça dure combien de temps? Attends. Je sais pas combien de temps. Ouah, je l'ai explosé. Hein. Ah, mais c'est vrai, en plus, je récupère tout le filon. Oh, mais c'est bon, en 2-2, c'est plié. Ça, c'est vraiment l'étape de base qui me fait vraiment chier dans Terra, les gars. Je sais pas vous, mais aller chercher les minerais de lave, les gars, ça me... Enfin, les pierres infernales, les gars, ça me fait trop chier. Parce que, de base, moi, en plus, j'ai trop la flemme, je me fais pas trop chier d'obsidienne ou quoi, j'en récupère jamais. Du coup, je me fais bien chier à creuser comme un con, là. Aussi, fait le elevator. C'est quoi le elevator? Oh, faut vraiment que je fasse le truc de storage là que vous me parlez. Vas-y, on va aller faire le verre. On va aller récupérer les minerais. Vraiment, la régène de vie avec ce mob, c'est trop trop bien. Pro tips, fait un coffre minerai, potion, plante. Ouais, non, mais ce que j'ai pris le mode storage. Oh, j'ai doublé mes dégâts là. J'ai activé le. Ah oui, ça rigole pas. Hein. J'ai fait le clic droit que tu me parles une caisse. Ça rigole vraiment pas. En fait, ça fait des. Ça explose. C'est bien ce que je pensais, du coup, c'est bien des dégâts de zone. Poch, c'était bien violent. Ok, ah, on peut l'améliorer ça ou pas? Matériau, nickel. Ouais, c'est bon, on va pouvoir back. Et faut que je regarde. Il faut de la fourre de flanks. Ah, s'il faut maintenant, je peux aller miner aussi les minerais qu'il y avait dans les îles volantes là. Dans ça là. Là. 10 enchanted, air elite. Attends, j'ai envie d'aller voir. Oh, je peux. Oh, botch. Ok, alors là, je crois qu'on a débloqué un nouveau truc, les gars. Un truc bien fort. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la réalite? On peut faire de ça. Faut juste un four. Ok. Je pense, les gars, on a débloqué un bon item là. On va aller voir. Un truc qui peut. Je crois qu'on peut vraiment craft des bêtes d'armure avec ça. Attendez. Ok. Donc, on peut craft la Muramasa comme ça. Feather Crown. On peut se placer dans les emplois de matériaux. Increase projectile velocity. Ok. Oh, on peut crafter des ailes. Oh, attends. Fly time. Et là, fly time. Oh là. Il y a l'air d'avoir des bonnes armes là. Je pense que je vais me faire les ailes. C'est quoi ça? Peut se placer dans des increase de mouvement. Ça va être good. Et des trucs d'îles volantes. Ah, c'est les marées des îles volantes sur mon 3. Ouais, c'est ça. Ça regarde ça. Et en fait, je me suis dit, peut-être que maintenant que j'ai la pioche en palladium, je crois. Ça va être faisable. Et bien, exactement. Hop là, frérot. Ah, c'est comme ça qu'on récupère les essences de sunlight. Ok, frérot. Oh, attends, faut pas le... Non. Sors de là, toi. Attends, mais faut le tuer ou pas pour qu'il apparaisse le truc martien, là? Mais je crois que lui, on doit le tuer, lui. C'est pas lui qui nous détecte les trucs. Essence of Sunlight. Attends, mais pourquoi il y a des martiens? Normalement, ils y sont pas. Bon, allons sur l'île volante. Attends, en plus, les minerais, ils brillent et tout. Genre, ça rend trop trop bien avec... Ah ouais, non, les... Ouah, 222 de dégâts, what the fuck. Je fais vraiment mal. Et je crois que lui, il a pris un dégât aussi, mon truc, là, qui me régène de la vie. Ce joueur, il fait 3 de dégâts. Enfin, je régène 3. J'ai pas vu combien il en fallait. 5. Ah, mais il en fallait juste 5. Donc, on va se crafter les nouvelles ailes. Et là, du coup, ok, les ailes. Fabriquer. Ni... Quel frérot. Ah bah là, ça change de fou là. En plus, ils sont stylés, hein. Et angélique.
plus angélique que les Eldans, genre. Hello, il y a un défi sur ton monde Terraria? Non, je découvre juste la version modée, le Calamity Mode, le plus gros mode. Je suis en train de le découvrir là, c'est pour ça. Du coup, maintenant on a les ailes. Est-ce que je pouvais craft d'autres trucs intéressants? Je crois pas. Ça a pas l'air de faire beaucoup de dégâts. Ben vas-y, on va pouvoir aller faire la reine des gelées, comme on dit, une caisse. Mais par contre, j'ai pas trouvé le biome féerique, les gars. Je vais penser à récupérer les étoiles aussi pour augmenter mon mana. Je joue jamais mana, mais pour le coup, là, il y a vraiment des items que j'ai envie d'utiliser qui, depuis tout à l'heure, là, qui sont cool. Wesh! Oh, j'aurais jamais dû casser ça avec le truc. Ok, donc là, on a un nouveau bio. Enfin, on a un nouveau truc. Je pense qu'on va pas aller les faire chier. Oh, quoique. Oh, quoique. Quoique, frérot. Pas l'intéressant. C'est vrai qu'on a des potions de résistance aux dégâts qui vont être utiles pour les prochains boss. J'ai ça en viteuf. Il y a un coffre de glace. Oh, j'ai pu l'ouvrir. Oh, le banger. Attends. Oh, j'ai pu le casser. Ah, mais en fait. Mais en fait, c'était trop bizarre. Passe équipé, permet de nager et rallonge considérablement la respiration sous l'eau. Ok, donc là, on a droppé un banger. La clé. Ah non, mais c'était juste un coffre de glace, c'était pas un. Mais si, mais c'est bizarre. Le coffre est chelou. Comment j'ai pu l'ouvrir sans utiliser la clé? Ok, nickel. On n'a plus qu'à trouver le bon cristal qui nous permet d'invoquer le boss. Normalement, ça va le faire en 2 secondes. Un petit truc abandonné. Soit en bouteille, ok. Peut-être qu'on peut faire des trucs sympas avec, ça, je m'en fous. Attends, mais c'est la première fois que je vois un biome, il n'y a pas de cristaux, gros. Normalement, ils sont blindés, genre. J'ai pas l'impression que c'est spawn, hein. Pas l'impression de. Les gars, là, même pour ceux qui jouent à Terra, pas l'impression qu'il a spawn, peut-être. Pas de part, je sais pas. Bah, je sais pas. En vrai, là, depuis le temps que j'y suis, j'aurais dû facile en trouver plein déjà. Ah, c'est dommage, je l'aurais bien fait là, je l'aurais bien tenté. Je pense qu'il y est pas. Je pourrais peut-être le craft, non? C'est possible. Ah, je peux invoquer le. Attendez, je peux invoquer le boss là. Il me fallait flanks, il me fallait démonite. C'est pas de la démonite. Et une lentille. Ok. Donc on va faire un petit boss. Le petit Dirclops. J'aurais bien voulu l'invoquer là, mais on peut l'invoquer que dans la. Ah, mais c'est quoi tous ces papillons? On va l'invoquer là-bas. En vrai, même pour aller vite et tout, c'est grave utile, hein, cette petite monture. Putain, mais j'aime bien ce biome, hein. J'ai vraiment hâte d'affronter ce boss, hein. Il va être grave lourd, hein. Ok, donc là, on est dans le biome féerique. On est aussi dans le biome neige. Donc, on est parti. Waouh, pourquoi il est démoniaque comme ça, le frérot? Wesh, mais il a des PV, hein. Putain, je m'attendais pas à ça, moi. Pas utiliser ce staff, là. Putain, j'avais oublié qu'en vrai, le Dirclops, il est vraiment stylé comme boss, hein. Oh, je tombais pile dans le trou, merde. Bah, lui aussi. Et bon, le problème, c'est que là, je suis trop à distance pour lui, là. Même quand je suis pas à distance, frérot, corps à corps, je le défonce, mec. Et il se prend des critiques à 184. Putain, mais le boss, c'est vraiment stylé. Je le fais jamais, hein, ce boss, hein. J'ai quoi? Girouette. Oh! Attends, mais ça, c'est pas dans le jeu de base. Invoque un quoi? Un coffre vivant? Attends, mais c'était quoi, lui? Quoi, cette invocation? Attends, mais je comprends même pas, frère. C'était quoi, lui? Ah! C'est le truc du développeur, ok. Mais là, du coup, ça m'ouvre un coffre. Oh, mais voilà, mais c'est pile ce que je recherchais l'autre jour, en plus. Et là, on peut mettre le petit casque. Wow, je suis vraiment dégueulasse, sa mère. On peut s'équiper. Et là, maintenant, j'ai un coffre. Putain, banger. Ouais, c'est vrai. Bon, le coffre, ça, c'est banger, les gars. Je vais juste voir ce qu'il dropait en plus, le Dirclops, par contre. Parce que s'il faut, il dropait vraiment d'autres trucs. Donc, ok, armure, klaxon, la hache. Permet de voir le monde différemment. La radio, ok. Boîte à musique. Rien. Tout unlock. Ok, donc lui, on l'a fait. Est-ce qu'on a quoi comme hot boss à faire, là? Après. Mais le The Perforator là, je crois qu'on peut pas le faire, je crois que c'est l'équivalent d'un autre boss. Invasion pirate, rouleau d'un volant, reine des gelées, cryogène. Alors qui est le cryogène? Spawn info. Ok, et ça fait la cryo-key. Ok, donc 50 blocs, ça j'ai, âme de lumière, j'ai âme de la nuit, j'ai, et il me faut essence de Helium. Ok, bon ça va être chiant de se battre dans le blizzard, mais on est parti. Hop, je prends moins de dégâts, j'ai plus de défense, et amélioration de toutes les stats. Ok, j'ai brisé sa barrière. Ok, j'aime bien le boss, c'est sympa. Il peut rien faire contre moi, je suis trop fort pour lui. Ok, oh, il remet une barrière à chaque fois. Ah ouais, il va être long. Il va être long de fou. Oh, j'aurais peut-être dû faire une arène. Wesh. Oh, je m'attendais pas à celle-là. L'arc, il fait mal, hein. Oh, comment il fait mal, l'arc. 29 de dégâts, j'arrive pas à récupérer mon shield. Ok, il s'énerve. Toujours pas de midlife. Il va foncer là. En pas longtemps. 3, 2, 1. Wouhou!
Ok, maintenant il fonce deux fois. Putain, en vrai, heureusement qu'on a débloqué l'item qui nous permet de lui voler de la vie, c'est trop bien. Hein. Quand il arrive à le toucher un petit peu, ça fait une petite régène qui est pas négligeable. Hein. En fait, c'est bien parce que avec les ailes, je peux décider d'aller plus vite vers le bain. Viens là, toi. Je crois que j'ai peur de toi, moi. Ok, bon, là, il veut juste foncer, le ref. Je peux la comprendre, là. Là, il veut juste me foncer dedans. Là. Ok. Allez, l'épée, quand même. Ok, GG, les gars. On l'a battu. Ok, je peux récupérer les trucs, en plus. Oh, il y avait un PNJ dedans. Ils aiment trop faire ça. Ok, donc, on a un nouveau PNJ. Oh, de belles armes. Oh, attends, what the fuck. Rock Damage, Ice Star. Ça a l'air incroyable. Peut s'équiper. Ça augmente la mana de 50 et le coût de mana de 15%. Ça augmente la régène de la vie. Elle est augmentée. Ça augmente la régène de la vie when, quand on afflige un debuff de feu. Enfin, quand on les enflamme. Et on survit. Attends, quoi? On survit aux dégâts fatals. Et on reçoit. Attends, ça veut dire quoi ça? Et on reçoit 30 pour... Et on revit avec 30% de notre vie. Et ça se régène toutes les 3 minutes. Une ice barrière. Et on est enfermé dans une barrière de glace. Quand on est ok, alors ça, je pense vraiment c'est un item qu'on va devoir avoir. Qu'est-ce qu'on pourrait enlever là? Ah ouais, attends, là je commence à avoir des items trop intéressants pour pas les mettre là. Oh, attends, j'ai débloqué plein de trucs, peut s'équiper. C'est quoi ça? Oh, c'est pour m'envoler. C'est des ailes. Oh, c'est des ailes qui font tomber des trucs en plus quand je vole. Ah, elles sont meilleures que mes ailes, moi. À moi, je vole plus longtemps en plus de pas mal. Ok, et toutes les attaques de mêlée infligent Frostburn. Oh, on a un bâton. Oh, c'est stylé. Oh, ça, j'aime bien. Oh, tu peux le stack en illimité. Oh, le cheat. Oh, le cheat. Bah, là, il y a un mec qui vient. C'est fini pour lui. Hein. Je vais aller là. Là, il va y avoir les stardust de ce truc là. Ah non, mais ça se casse. Ah merde. Ok, ok. Voilà, dinguerie. Oh, c'est un matériau ça. Attends. Là, j'ai l'impression que c'est une arme dinguerie là. Si on fusionne tous les trucs de glace, plus 100 trucs donc qu'on achète, plus 10 essences, on peut crafter cette arme là. Fait rock damage. Oh, j'ai envie de le craft. Elle paraît trop forte. J'ai envie de la faire. Ah, par contre, vitesse très lente. Et j'ai envie de le faire. Ok, comment on fait l'avalanche? Ok, alors c'est que. Ok, c'est que des armes droppables sur le boss, je crois. Je vais juste check pour être sûr. Loot and collection. Ok, donc là, on a eu une arme. Ok, bon, les gars, vous savez ce que ça veut dire. On va devoir le farmer. Ouais, non, l'arc fait vraiment des dégâts. Attends, je vais essayer. Je vais retourner son arme contre lui, pour. Oh, en vrai, il y a un monde où je les stack, là. Et ça lui fait mal, hein. Oh, wow, ça lui fait mal de fou, mec. Ça, c'est une arme contre le dévoreur mécanique. Le ver mécanique, ça va être utile, j'en suis sûr. Regarde tous les dégâts que je lui mets. Ah ouais, non, mais là, faut qu'on devienne mage. Hein. Faut qu'on devienne mage, les gars. Oh, j'ai envie de devenir un mage, là. Après, là, il va être chiant parce qu'il va faire que bouger. J'ai l'impression qu'on lui fait plus de dégâts que tout à l'heure, genre. En vrai, pas mal, dommage que t'aies plus mana. Ouais, ouais. En fait, ça va, ça se régène. En plus, il y a quelques étoiles, je crois, au sol. Je sais pas, je récupère mana, j'ai l'impression. Oh, c'est stylé, il y a une aurore boréale dans le ciel, j'avais même pas fait gaffe. Enfin, j'imagine que c'est la représentation de l'aurore boréale. Cette arme, elle a l'air forte de fou qu'on va pouvoir craft. Oh putain. Ok, non, on n'a pas drop le même. Ok, on a deux armes. Lui, il fait quoi? Icebreaker. Alors ça c'est l'arme qui va le détruire. Oh, explosion. Oh là là, attends. Mec, je crois que j'ai l'impression vraiment que la classe la plus forte, c'est vraiment la rogue. Parce que là, j'envoie des haches. En plus, j'ai le truc qui fait spawn les petits vers là qui rebondissent. Non, c'est trop fort. Et les haches, regarde à quelle vitesse ça part, genre. C'est une dinguerie. Ah, dommage. Ok. Ah putain, j'ai redroppé le même. Bon, il est moins fort, donc ça va. Ok, j'ai droppé une nouvelle arme, je crois. Ah non, c'est la même. Ah non, c'en est une nouvelle. Oh, c'est une arme de corps à corps. Spawn ice bombs that explode after 3 secondes into ice. Ok. Il en fallait combien des armes? Parce que là, je les ai peut-être toutes, là, non? Ah, mais je les ai toutes. Ah non, il me faut l'arc. Oh merde. J'ai plus qu'à avoir l'arc et on a tout. Ok, ah waouh. Oh, les dégâts que je fais. Oh, les dégâts de fou. Je fais spawn plein de shards qui explosent. Là, il bougerait pas, je l'aurais défoncé, quoi. Ah ouais. Le truc fait mal. En fait, je pense que ça va être utile sur... Ah putain. En fait, je sais pas si ça vaut le coup de fusionner toutes les armes. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des armes qui vont être utiles pour des boss. Genre par exemple, là, la hache là qu'on vient de débloquer. J'ai l'impression qu'elle va être grave utile sur le ver, tu vois. Genre, dès qu'il saute, hop, je me colle à lui le temps qu'il revienne. Et là, je le défonce. Et je sais pas, en fait, si avec l'arme finale, ça sera ça aussi. C'est pour ça. Ouais, je vois. Mais qui dit que là... Ouais, mais c'est ça le truc. Mais c'est des fois, il y a des armes, elles sont... Je sais pas. Bah... En fait, déjà... Il y a un truc qui me paraît bizarre, c'est que sur l'arme finale,
elle est ultra lente et elle fait moins de dégâts que la hache, tu vois. Mais après, il y a de la... Ok, j'ai eu l'arc. Oh, botch. Mais même l'arc, il fait 71 de dégâts, il envoie deux flèches. C'est-à-dire que là, en fait, je reste comme ça, sans tout fusionner. Ouais, GG, du coup, les gars. Genre, sans tout fusionner, genre, j'ai juste un meilleur stuff, tu vois. Genre, l'arc, il fait plus de dégâts. Ah non, bon. Parce que lui, après, il est en désagréable, il a plus 5%. La hache, elle fait 148 de dégâts, mec. C'est énorme. Et en plus, ça fait spawn des trucs. Ouais, non. En vrai j'ai pas envie de la... Regarde, ça fait spawn plein de trucs et tout. Ouais, après, j'ai juste à la refarm, ouais. Vas-y, on va essayer de la fusionner quand même. J'ai bien envie de voir. J'ai pas farmé ça pour rien, tu vois. Du coup, ça se met dans une enclume. Machine à glace. Par contre, j'avais farmé des trucs, là, des trucs de stockage. Hop là, 480 items. Nickel. Oh, ah, mais du coup, j'ai pu farmer les potions à 150 PV en le farmant lui. L'item qui permet de survivre, c'est lequel? Faire le truc à fatal attaque. Ok, c'est ça. Ça, cet item, faut que je le garde de côté. Parce que je pense qu'il va y avoir des boss qui vont me one-shot. Mis dedans. Ah, faut j'achète. Ah putain, j'ai pas acheté les 100 trucs. Ok, il est là. Kelvin Catalyst. 70 rock damage, 9% de coup critique, vitesse très lente, recul faible. Ça envoie une épée de glace qui se coupe en deux et se multiplie en étoile de glace quand ça touche l'ennemi. Ok, donc ok. Et ça fait des strike steals, weird, briefly, gains. J'ai pas trop compris, mais en gros, si le truc revient vers moi, je crois que il y a un truc. Ok, en plus, je lui ai en 10% de dégâts. Voyons voir. On est parti. Ok. Ok, donc c'est un truc qu'on peut laisser ton clic. Ok, donc ça va en vrai la vitesse. Et maintenant, il faudrait l'essayer sur un ennemi. Ouais, cheater. On va voir ça, on va voir ça. Faut que je trouve un ennemi. On va aller dans le biome truc là. Ok, donc ça se... Ok, en fait, c'est au contact de l'ennemi, ça crée des... Ok, ah ouais, c'est pas mal. J'aime bien. On va aller au truc de Stardust, là. Il va être plus résistant, on va voir si ça rend bien. Ça risque d'être bien intéressant, cette histoire. Ok. Ok. Wow, en fait, niveau dégâts de zone, c'est vraiment pas mal. Est-ce que ça fait autant de dégâts de zone que... En fait, je pense que le truc qui est cheaté, c'est que là, quand ça se split en étoiles, c'est que les étoiles, elles disparaissent pas. Enfin, c'est-à-dire qu'elles disparaissent au bout d'un moment, mais elles disparaissent qu'à ce moment. Oh, attends, quoi? Les étoiles, elles sont redirigées vers un mob? En fait, les étoiles, genre, si le mob, il reste sur l'étoile jusqu'à la fin qu'elle explose, il va se prendre autant de dégâts, en fait. Genre, c'est ça qui est broken, je crois. Ouais, le plus simple pour voir les dommages, c'est le boss. Et, bah, c'est vrai, mec. Ah ouais, et les étoiles, elles remontent dessus si... Oh là 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 là. On va aller faire un nouveau boss. Les jumeaux. Oh, c'est le prochain, les jumeaux. Bonne info. Ah, mais je crois qu'ils ont Non, mais c'est ça, en fait. C'est censé être le craft s'il était plus dur, mais en fait, non, c'est ça. Ah, on a pas testé cette arme aussi. Bon, c'est pas grave. Potion. C'est quoi déjà? Je voulais faire spawn. Merde, j'ai oublié l'œil. Ah, le verre mécanique. Est-ce qu'on le crafterait pas? Petit verre là? Moi, je dis, t'as raison. On va les atomiser. Ah, bah, j'espère. Je pense que t'as raison. Ah, je vais voir d'ailleurs si le truc il se propage pas là-bas. Le meilleur moyen, c'est de tester sur un boss. T'as bien raison. Mais d'ailleurs, Mizorx. Oh, ça s'est quand même propagé. Merde. Oh, shit. Bon, on fait lequel en premier? Les jumeaux ou le verre? Les deux? Attendez, on invoque d'abord les jumeaux, et on regarde, comment ça se passe. Ok, bon, on invoque les deux, bon. N'en fallait pas plus. Ok. Ah ouais. En fait, c'est pas mal là. Alors, je me gratte l'œil pendant le combat, excusez-moi, ça me grattait. Ah ouais, j'ai... Community mode. Ah vraiment. Ah, je vous garantis pas, on peut faire ça aussi en master. Hein. Oh mais là l'arme qui traverse et qui casse pas gros. En plein milieu là, le verre il est finito là. Regardez ma vie hein. Ma vie ne part pas. Hein. Ok, en fait je pense que c'était bien worth de la faire cette arme. Même si c'était un peu long à faire parce qu'il fallait farm le boss 5-6 fois. Après faut avoir de la chance aussi. En vrai on a eu de la chance. Il y a juste eu une fois où on a redroppé le même item, mais après on a eu tous les items différents. Donc grave lourd. Oh, attends, lui je le focus. Ah ouais. Ah ouais, non mais là les dégâts. Oui, le calamity mode, c'est dur. Trop dur. Ouais, bon bref. Non, ouais, ça va. Ouais, bah, dans... C'est un matériau aussi ou pas? Non, je crois pas. Non, non. En gros, on a fusionné genre 5 armes. En gros, t'as le boss, le cryogène, je crois. Il drop genre 5 armes différentes. Un marteau, 2 trucs d'invocation. Et en gros, tu dois acheter 100 trucs de la classe Rogue, des trucs que tu lances, plus des essences de glace. Et après, tu fusionnes tout. Et t'as cette arme. Déjà, elle traverse les blocs, je crois aussi. Hein. Ah non. Bah, elle traverse tout le monde. Oh, ce serait bien si on pouvait tuer les deux en même temps. Moins 1 et
Moins 2 dans 3, 2, 1. 1, 1, 3, 2. Voilà. Ok, deux boss en même temps. GG les gars. Ça me fume. Oh, l'irrespect. Ok, ça, je sais toujours pas à quoi ça sert. Ok, donc on a récupéré ça. Ça, je pense pas on va pouvoir faire des trucs intéressants avec. On va cliquer au cas où. Oh, en plus, je peux les réinvoquer. Mais j'ai pas eu les. Pourquoi j'ai pas eu les minerais. Ça invoque pas les minerais sacrés? Ouais, j'ai pas les lingots. Been blacklisted by the server host. Oh, emblème céleste. S'ils sont ça en loot. Bah là, je crois pas, j'en ai loot là. Maximum. Ok. Ah, c'est là qu'on craft cette arme là. Ok. Ouais, mais là, dès qu'on. Ouf, attends, vitesse d'escargot, mais 270 de dégâts. Exorcisme, what the fuck? Exorcisme. Oh, mais là, dès qu'on a les lingots sacrés, on va pouvoir faire des dingueries là. Oh, amélioration des. Bah, je crois le dernier, c'est le squelettron, les gars, qu'on va devoir faire. Hein. Squelettron, c'est âme de la nuit. J'ai marre d'aller farmer les âmes. Je le mets comme ça, je fais bien les dégâts de zone sur tout le monde. Hop là, frérot, plus de bateau. Ah, mais il a rien drop. Ah, le bateau en normal, il drop rien? Les pirates ont été vaincus. Ok, donc on a eu quoi? On a eu que de la. Oh, attends, Midas Prime. 94 de dégâts. Vitesse très lente. Oh putain, mais c'est pas possible. Je vais mettre un cache-œil. Je suis Albator là, c'est trop. En vrai, je vais mettre le coffre là et je vais mettre tous les trucs dedans. Ouais. Je pense que ça vaut pas le coup que je le mette dans le truc. J'aimerais bien tester le titan là. Putain, mais en fait, j'ai l'impression qu'il va m'enculer. Brimstone élémental. Ensuite, Grand Squelettron, Ogre, Eclipse, Astro Masterus. Wesh. Bon là, forcément, dans les boss qu'on va battre bientôt là, on va pouvoir débloquer des nouveaux minerais, des trucs comme ça, c'est sûr. Parce que là, les prochains boss, on doit les invoquer avec l'enclume en je sais plus quoi. En oricalque, je crois. Donc forcément, on va bientôt le débloquer. Ok, alors je crois que c'est ça qu'il me faut. Sulfurus semble nickel. Hop, on récupère tout comme as. Et là, faudrait que j'ai l'événement, en fait. Mais tu vas pas me dire, il n'y a pas de requin maintenant. Mais il y a des crabes. Ok, hein. Et un requin. Ok, alors lui, faut faire gaffe, celui-là, il était résistant. Oh, ça, je l'explose. Oh, il a droppé. Oh, j'ai droppé un truc. What the fuck? Ok, ça fait spawn un truc. What the fuck? Ah, ok, c'est un dessin fait par un random. Haha, c'est littéralement ça. J'ai combien? J'ai un aileron là. Oh oh. Il y a un truc à spawn sous l'eau. Et il est pas. Ok, il y a un boss. Oh merde. Je crois que j'ai lancé un boss qu'il fallait pas, les gars. Ok, non. Ok, je pense. Ouais, j'y fais malin. Attends, faut que je mette mon armure. Ok, les gars, on a lancé un boss sans le vouloir. Hein. Ok, il y a des partitions. Ouais, il fait mal. Hein. Faut que je fasse gaffe, faut bien que j'esquive les sorts qu'il pose là. Ok, 52 de dégâts. Ouais. Ouais, c'était vraiment inattendu là, ce boss par contre. Hein. Ok, j'ai tué le tavernier, mais j'ai le temps de récupérer les trucs, donc ça va la nuit. Ok, je prends très cher là. Et je peux plus bouger. Elle me ralentit bien. Voilà, c'est chaud. 20 secondes. Faut que je détruise les bulles avant qu'elle me touche. J'ai un cœur. Ok, j'ai régène un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la terre tremble? Ok, nouveau boss. Oh putain, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ouais, c'était quoi? Mais attends, mais what the fuck? Mais il s'est passé quoi? Et pourquoi il y a un énorme requin qui a spawn? Bon, première mort. Première mort, les gars. Ah putain, c'est dommage. Ah, j'aurais bien aimé ne pas mourir. Putain, mais moi je pensais que c'était ça le boss, mais il s'est passé quoi là? Oh la dinguerie. C'est quoi ça? Ok, oh, c'est stylé, ça brille. Ok, on est parti. Ok. Il veut pas se montrer. Ah, il est là. Oh, mais il est. Ok. Oh, il m'a feinté, j'ai cru qu'il était ultra lent. Ok, il m'attaque, il m'envoie ses épines en fait. Bon, il a l'air plus simple que l'autre, mais à tout moment, lui aussi, il dévoile une forme et il devient ultra cheat d'un coup, tu sais. Oh, il y a l'acid rain en même temps, il y a l'événement. Oh la blague. Bah, là, c'est comme si on faisait deux boss en même temps, là, un peu. Enfin, il y a juste. Ah non, l'acid rain, elle s'est mise en stop, je crois. Bon, faut qu'on la fasse quand même, l'acid drain après. Comme ça, on avance sur nos objectifs, événements et boss. En fait, il fait mal, je m'en rends pas compte, là. Il fait quelques dégâts, hein. Ok, il fait spawn des trucs aussi. Bon, il lâche des gaz qui me font du dégât. Bon, il en met beaucoup en plus, hein. Faut bien que j'esquive. Je vais récupérer un bâton, je sais pas comment. Ok, GG les gars.
Ça c'est fait. On a récupéré beaucoup de trucs encore une fois. Ok, donc ça c'est pour envoyer des sortes d'épines. Ça c'est un casque. On va le laisser. On va fight les boss, les mobs. Comme ça on fait l'événement. Je regarde en même temps. On peut se placer 8 de défense. Ça augmente de 15% mes dommages, ma vitesse de déplacement et 15 de défense quand je suis sous l'eau. Quand je suis sous l'eau, j'ai aussi la possibilité de dash sur une grande distance. C'est sympa ça. Ça veut dire on va devoir. Mais du coup, vu que j'ai fait le boss ici, à tout moment maintenant, j'ai un item qui me permet de résister à ça là. Et du coup, je vais pouvoir aller faire un boss en bas. 100%. Moi, je vous le garantis. Il y a un boss qui a spawn. Il est en haut. Ah, mais c'est le boss de l'événement. Bon, ça, c'est un boss d'événement, c'est pas un. Wesh! Oh, il nous a envoyé un laser. Il fait des explosions nucléaires, frérot, le bail. Il va faire son laser là. Je sais pas où il est. Ok, si, il fait son laser là. J'avais bien capté. Ok, il est mort. Ok, on va commencer par en haut à gauche. Slithering Hell. C'est dégâts magiques. On a 107 et ça envoie un vert. On peut diriger une fraction de seconde. Ou qui revient. Oh, what the fuck. Ça a l'air d'être comme l'autre truc, sauf que ça fait plus de dégâts, là, le sort de glace, là. Ok. Intéressant. Rock Damage. J'envoie un poisson. Il va juste tout droit. Oh, voilà. Peut se placer. Minion Release. Ok, donc les invocations... envoie des... ils ont une aura qui irradie. J'ai plus un minion et je suis immunisé contre l'irradiation. Ok. Ça fait bon des explosions. On a capté. Ce qui est d'ailleurs très fort, on dirait. Je vois ça, un grand immunity tout. Ouais, ah bah c'était ça, je crois. 116 dégâts au corps à corps. Vitesse lente. Ok, bah attends, on va voir ce que ça fait. Ah, c'est un yo-yo. Oh, j'aime bien. Oh, le bruit, il est satisfaisant, le bruit. Attendez. C'est un peu de la ASMR. Mais j'aime bien l'arme. 116 de dégâts. Je vais l'utiliser. Hein. Je vais l'utiliser cette arme. Ça summon un truc qui se bat pour moi. Qui a l'air plus efficace que lui. Donc lui, c'est ciao. Ensuite, on a eu des dards. Bon, les dards, voilà. On a eu un canon qui tire. Tire rien du tout. Mais qui tire. Ça n'utilise pas de trucs. C'est trop fort. Combien de dégâts? 77. Les gars, on commence vraiment à avoir des bêtes d'armes là. IQ. En gros, l'arme, elle est précise à mort. Et ça va pile sur le bout de mon curseur. C'est ce qu'ils disent. Ok, donc cette arme, elle est vraiment... celle-là, j'ai moins 20 de dégâts. Mais franchement, elle a l'air vraiment bien. Je pense que je vais l'utiliser aussi. Celle-là, je l'utilise, c'est sûr. Là, aquatique emblème. Peut se placer dans les... tous les ennemis des océans deviennent amis. Et en gros, je crois, te donne de l'air, en gros. Quand t'es sous l'eau, ça te donne de la défense. Mais t'es ralenti quand t'as plus de temps, je crois. Ça, on l'avait tout à l'heure, je crois, Deep Diver. 15 dommages, ouais, ça, on l'a vu, je crois. Ouais, c'est le truc de dash. Ça, une chance de fishing gear, ok. Wow, attends, mais là, on a eu des items de fou, là. Et le casque aussi, il a changé. Alors, attendez, je vais essayer de le montrer. Je sais pas trop ce que c'est. Ah bon, on va le laisser, ça change un peu. C'était quoi, déjà? Ça, j'ai bien envie de l'utiliser, je vais voir. Oh, le yo-yo. Attendez, je vais invoquer un verre. On va tester nos armes. Alors, voyons voir le yo-yo. Oh là là, regardez les dégâts. Regardez les dégâts, là. Hop, là, il se colle. Ok, ok, sympa. Ensuite, l'explosion. Oh là là, mec. J'ai moins 20% de dégâts en plus. Ok. Ça, j'ai... Wesh! Attends, c'est l'arme qui fait ça, là? What the fuck, les dégâts? Mais mec, what the fuck? C'est quoi qui me fait faire ça, là? Ok, et le yo-yo, pour revoir le yo-yo. Le yo-yo est lourd, hein. Tu vois, là, pour des trucs de dégâts de zone, pour des verres et tout, c'est... Le yo-yo, pas mal. Le yo-yo, il est sympa, regarde, là, tous les dégâts, là. Et ça, j'ai pas compris, ça. Je comprends pas pourquoi ça fait des dégâts. Enfin, l'explosion verte, là. C'est ça qui fait les trucs verts, en fait. À un moment donné, non? En vrai, le yo-yo, il est un peu équivalent, hein. Là, quand on regarde, c'est plus ou moins équivalent. Pour le yo-yo, il a... Ah, quoi, ils ont plus ou moins la même portée, en vrai. Et est-ce que là, avant que le live se terminerait pas, est-ce que on ferait pas ça, là? Alors, attends. L'armée de l'ancien. J'ai bien envie de la faire. J'ai bien envie de faire l'armée de l'ancien, là. Oh, je fais ça comme ça. On a tout niqué, c'est pas grave. On va tout éclairer. Ok, vas-y, on va faire ça. Et après, les gars, on va s'arrêter là pour ce soir. Ok, bon, bah, c'est parti, hein. Alors, voyons voir. Bon, les premières manches sont assez simples. Ok, je suis toujours sous buff, ouais. On est reparti. J'invoque un normal. Allez, j'améliore une fois quand même. Ok.
fera de l'autre côté vite. Non. Après, il va y avoir les autres là qui attaquent. Ok. Oh, ça commence à être le bordel. Il me tire dessus comme ça là. Oh là là, je commence à perdre de la vie là. Ça ne va plus. Faut que je mette. Faut que je mette ça. Oh, les verts ont l'air fort. Hein. C'est chaud là. Hein. Ok. Ok. Ouais, je me fais toucher de partout, gros. C'est injouable là. Oh, je suis mort carrément. Ah bah là frérot. Ah bah là. Ah, j'aimerais bien le tuer avant. Ouais, je l'ai eu. Ah, je suis remort. J'ai eu bouclier de chasseuse, j'ai eu. Ce serait pas un des boucliers qu'il me faut. Bouclier de chasseuse. Ah non. Augmente Ok. Bon, c'est toujours trop chaud pour nous pour l'instant. On va aller déposer tout ce qu'on a. Les verres, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé franchement. Ah non mais l'épée faut que je la charge. Ah mais je viens de comprendre que maintenant. Et la prochaine fois faudrait qu'on aille chercher le gobelin en fait hein. Clairement. Comme ça on ira fusionner, on ira faire de meilleurs équipements je pense. Cette arme elle est vraiment pas folle finalement. Et là j'aime bien en fait ce que j'ai là comme arme. Ah mais j'ai même pas fait le crâne mécanique. Bon c'est pas grave, on le fera la prochaine fois. En vrai on a fait pas mal de boss là quand même. Hein. Regardez tous les boss du hard mode qu'on a fait déjà. On a fait presque la moitié. Invasion pirate, Hollande des volants, cryogène, les jumeaux, aquatic scourge, acid rain, Kragmaier, le destructeur, l'ogre, l'éclipse. Faudra qu'on fasse la reine de gelée, mais pour ça bah, c'est RNG, hein, faut qu'on trouve en vrai, t'as bien envoyé encore. Ah bah là gros je charbonne. Mais la reine des gelées du coup c'est un peu de la chance parce qu'il va nous falloir un slime, un petit slime. Elemental brimstone. Ok donc ça c'est le truc qu'il va falloir qu'on fasse aussi pour avoir à la fin le truc. Grand squelettron on le fait demain. Ça c'est toujours désactivé. Enfin c'est pas désactivé mais ça le sera toujours désactivé même quand ils seront réactivés. Donc faut voir. En tout cas faut que je batte la reine des gelées, brimstone. Et peut-être que en fait s'il faut j'ai juste à battre la reine des gelées. S'il faut j'ai juste à battre la reine des gelées et je vais pouvoir unlock le truc en fait. Unlock les minerais sacrés. Du coup c'est juste ça hein. Bon les gars. Putain mais on a là les trucs. On a le petit truc là. On a ça. Je sais pas pourquoi par contre j'ai pas le... Ah si, il y était je crois mais je l'ai pas vu. Bref les gars, en tout cas, GG on a grave avancé. Et du coup les gars j'espère que vous avez kiffé le live. J'espère vraiment que vous avez kiffé le live, on a avancé grave de trucs et tout, c'est grave lourd là ce qu'on fait. Peut-être j'essaierai de faire un peu de build la prochaine fois pour faire un truc sympa ou même avancer les PNJ parce que là c'est le bordel. Et même là ça avance, oh là là, c'est bientôt la fin quoi. C'est le petit tease. Bon là les gars, moi je vais vous laisser et on se capte à vendredi du coup. Merci à tous d'être restés jusqu'à là. Ciao à tout le monde.